Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle série, une nouvelle émission. C'est le YouTube Quiz avec ce magnifique quadrillage de tête. Le but du jeu est simple, il va falloir former une ligne avec toutes ces têtes en répondant à des questions. Au début ça devait être un petit jeu tranquillou, avec, en un contre un. Mais finalement tout le monde est venu. Donc du coup, je vais appeler l'équipe jaune, c'est l'équipe DiziProd. DiziProd et autres d'ailleurs. Ouais, l'équipe tribu, avec Lulu, Baya et Adrien. Autant dire que Lulu n'est pas dans la merde. Allez-y, cassez la vitre, rentrez. Autant dire que Lulu n'est pas dans la merde. En plus, Baya, il est en game mode 1, non mais c'est de pire en pire. Pourquoi je suis pas dans la merde? Parce que t'as pas des bons coéquipiers. Bon, à vrai dire, eux non plus, hein, donc. Bon. Dans l'équipe rouge, nous avons les abonnés. Luc, Hugo et Solide. On est là juste pour ta YouTube. Moi. Voilà, c'est bien. Serrez-vous tous. Voilà, vous êtes bien comme ça. Bonjour la famille. Alors l'équipe qui commence, c'est l'équipe rouge. Ah bah ça c'est pas de bol. Oui. Alors je vous explique. Trop bien. Vous choisissez une tête au hasard et si vous donnez la bonne réponse, elle s'affichera en rouge. Si vous donnez la mauvaise réponse, elle s'affichera en jaune et ce sera à leur tour. On prend la tête. Non, la mienne elle est en blanche, c'est-à-dire elle est assurée. C'est faut faire une ligne à la fin donc. Ah, bon bah faut faire une super. Non mais faut être stratégique. Bah oui, stratégique. Sorry super. Voilà pourquoi je voulais pas faire des équipes de 3. Non mais les gars. Moi je suis pas concerné, vous choisissez comme vous voulez. Ouais bon, démerde-toi. Va falloir vous mettre d'accord au bout d'un moment, okay. Parce qu'il y a quand même 25 têtes hein, donc on n'est pas sorti de l'affaire. Prends ton Furious Jumper et après on va faire des choses. Bah oui voilà. Ok, Furious Jumper, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Alors voici la question. En fait j'ai pas vu où il était. Est-ce que il a passé le million d'abonnés? Oui. Bah oui. C'est une bonne réponse. Vous voyez, c'était facile. Autour de l'équipe jaune, qu'est-ce que vous prenez? Je pense que c'est simplement nous. Ouais. C'est plus simple. Commence par toi, Baya. On peut faire cette ligne-là. Où il y a moi, Céleste, Ria. On va faire celle-là. On commence par Baya du coup. Et ben, on commence par moi. Ok, Baya Adrien, voici la question. Il a dépassé le million d'abonnés. Oui. Ça s'apporte près d'arriver. Alors, combien a-t-il sorti d'épisodes de sa série phare Ninja Warrior? Là, tu nous réponds. Il y en a deux. Comment ça, deux? Non, il y en a deux. Faut se mettre d'accord. Non, deux. Il y en a deux. Ok, c'est deux. Parce que l'épisode 3, normalement, devait y avoir moi. Bonne réponse. Ouais, l'épisode 3, il... L'équipe rouge, à votre tour. Non, l'épisode 3 n'y est pas. Alors, voilà, pour vous. Non, attends, on essaye pas de les bloquer, on essaye de les bloquer. Vas-y, Fanta. Non, on prend Céleste. Vas-y, Céleste. Ok. Bah, pour le coup, je saurais pas, donc vous vous démerdez. Ah, c'est pas de bol parce que la question c'était justement qui est cette personne? Ah, d'accord. Qui est cette personne? Vas-y, du coup, parce que moi je connais pas. Hein. Faut le pseudo. Hein. Une ancienne participante. Faut le vrai pseudo. Faut le pseudo en fait. CC Star quelque chose. Ah oui. Mais il est pas complet. Elle faut chiffre. 05. Il manque un c'est le numéro que je connais pas. Ah ouais, mais fallait choper. Voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas. Aucun des trois. Bah moi je dirais CC Star au hasard. C'était CC Star 69. Et oui. Ah oui, mais c'est bien sûr. Bon, les cas, jaunes. Ah oui, à votre tour. À votre tour, équipe jaune. Du coup, ah oui, les gars. Eh, on prendrait pas ça pour les bloquer parce que. Non, mais non. Bah... Ah bah oui, tiens, allez, Fanta. Ah ouais, Fanta. Fanta, est-ce que vous voulez. Mais Fanta, c'est bon. Ok, on va y aller. Ouais. En quelle année. Ouais, plein, hein. En quelle année est sorti son tout premier guide pour bien débuter à Minecraft? Ouais, tu démerdes. Il a sorti non, mais pas Google. Les gars, on entend ce clavier. Fr.
Vraiment. Il me faut une réponse. Allez, dans les 2012-2013. On va dire. Non, 2015. Alors, pas du tout, 2011. Hein. Ouais, ah, voilà. On avait dit 2011. Bon, on prend. On prend Fukano et puis. Bon, ouais. Fuka, c'est plus facile. Fuka, c'est plus facile. Mais juste, ouais. On dit bien compris au principe du joueur. Mais faut faire une ligne à la fin. C'est un marqueur. Ah, des lignes de combien? Une ligne de 5. Hein. Ah. Ok, donc vous prenez. Fukano. Fukano. Fukano, voici la question. En quelle année a-t-il sorti sa première vidéo? 2012. Est-ce que vous validez tous les trois? 2011 ou 2012? Moi je dirais 2012. Attends, je vais regarder dans ma tête parce que j'ai mon Mettez-vous mon d'accord. Dictionnaire YouTube. 5, 4, Attends. 3. Non, 2012. Ok, 2012, vous avez de la chance. Oh, équipe jaune. Okay. Qu'est-ce que vous prenez? Je précise que les diagonales marchent aussi. Hein. Ouais, bah, tenter au goût, alors on les bloque. Attends, mais non, mais non, il faut les bloquer, mec. Ouais. Mais c'est qui les deux autres aussi? Je les connais pas, moi. C'est épée forte, mais je sais pas c'est qui. Ouais, ça c'est en haut, c'est épée forte, ça je sais pas c'est qui c'est. J'en connais aucun des deux, moi. Ouais, épée forte. De toute façon, ils vont sûrement se gauler. Sûrement se tromper. Je précise qu'à la fin. Bayard, on tente au bout. Alors, rappelle-moi, c'est qui celui-là, s'il te plaît. Alors, je précise. Je semble connaître, mais je sais plus. Je précise qu'à la fin, s'il y a pas de ligne, c'est l'équipe qui a le plus de cases. Bah, j'y vais au coup. On tente au goût, allez. Vous tentez au goût. Parce que là, ils vont se tromper, puis ça va nous faire une ligne. Bon, la question. Quel est le prénom de Ougou? La question devrait être facile. Quel est le prénom de 85? Alors, quand est-ce qu'on a créé la Dizzy Prod tous les deux? Avec Ougou. Alors, c'était en janvier 2014, vous validez? Janvier 2014, oui. Ouais, on valide. Ok, janvier 2014, tout à fait. Wow. Une case jaune. C'était pas dur. Ça fait que toi. En rouge. Équipe rouge. On prend épée forte. Épée forte. Ok, épée forte. La question. La voici. Alors, épée forte. A-t-il plus ou moins de 100 000 abonnés? Moins. Il en a. Évidemment que moins. 1000, je crois. Vous validez tous les trois? Oui. Ouais, non, il a clairement moins. Il est pas très. Ah il est bon. pas très. Enfin, pas à ce point connu, quoi. Bonne réponse. Sérieux, il en a moins? Il a 78 000. Ouais, il a dans. Je peux te demander un truc, Andy. Mmh. C'est qui ça, là, la tête? Mais je ne vous dirai pas, sinon c'est trop facile. Mais attends, mais je connais cette tête. Je vais me rappeler. Équipe jaune, c'est à vous. On a parlé de Capitaine. On peut pas. Hey, Pierre, là. Capitaine Flamme. Ok, nous c'est reprenons. Qui sait, c'est bon. C'est qui sait, c'est bon. Apparemment, Adrien le sait. Donc, on va lui faire confiance. Non, donc, mais non. Je suis pas sûr. Envoie-moi un step pour voir. Est-ce que vous, qui vous prenez? Mais attends, on réfléchit. On va voir si on dit une connerie ou pas. Attends. Il va se passer sur YouTube! Petite calme! Mais comment tu veux identifier avec une tête? Bah oui, mais c'est ça! Non mais enfin. Allez, on prend celui en bas à droite, Andy, tant pis! Allez. Ok! Non! On prend. Attends! Non, celui en bas à droite, laisse tomber si on est mort! Ok, alors voici la question! Allez, Pierre, ça peut être vaste! Hein. Les amis, voici la question! Non, mais on a pas le choix! Allez, Pierre! Vous validez ou pas? Attends! Non, mais les gars, c'est bon! Bah oui, je sais. Merci au goût. Hein. Ça rassure. Je pense que Adrien aura la bonne réponse. S'il n'est pas trop con. Tu penses qu'Adrien aura la bonne réponse? Bon, allez, on tente celui en bas à droite. On a. Ou alors vous tentez complètement, mais. Ok. Non, mais en bas à droite, on n'a pas le choix. De toute façon, s'ils ont bon après, c'est marrant. Moi, c'est pas lui. Hein. Alors, la question n'est pas de savoir qui il est, puisque je vais vous le dire maintenant, c'est Vexios. Voilà. La question, c'est de citer une des deux chansons qu'il a chanté avec Guz.
Toujours commune. Mais gros, mais non, mais Lulu, attends, pourquoi t'as choisi? Y a... Oh, j'en ai une. T'as quoi? Ah, y'a comme j'en connais une. J'en connais une. Y'a bouge ton cube, je crois, à travers ça, bouge ton cube, bouge ton ouais, cube. Bonne réponse, Baya. Ouais, il avait. Baya, la saison de l'auto parce qu'on attendait son clavier. Comment tu parles? Bah, non, il a bougé. Les mecs, faut prendre la pierre. Équipe rouge. À pierre. Bah vas-y, là c'est ça, je veux dire. Évidemment, sinon, mais là ils ont 4 points, enfin ils ont 4 alignés, faut leur enlever la pierre tout de suite. Équipe rouge, vous validez qui? Oui. C'est bien dans la merde. Agent GB, non? On prend en haut à gauche, à pierre. Non, mais mec, regarde, ils ont tous les trucs alignés. Parce que c'est un point, enfin pour Andy, c'est un point gratuit. À Pierre. Et la réponse est rapidement comme nous, parce que nous on l'a donné tout le temps. Ok. Vous l'avez. Alors, à Pierre, voici la question. La question est pas simple. Et ça, vous pourrez pas le trouver en cherchant sur sa chaîne YouTube. Combien de saisons de KTP a-t-il gagné? Oh bah si. A-t-il gagné? Une chance sur 12. Je crois qu'il en a gagné. Il y en a 12, donc une chance sur 12. Moi je sais. Attends, on a combien de temps pour répondre? On a combien de temps? Maintenant. Mettez-vous d'accord. Vous vite. Mais attends, mais j'ai aucune idée. Mais je crois qu'il en a gagné 6 ou 7. Il en a gagné 6 ou 7. Tentez, mettez-vous d'accord. Je dirais 6. Mais attends, j'ai regardé tous les KTP en plus. Attends. 5. KTP 1, il a gagné. 2, KTP 2, il a gagné. 1. Il faut une réponse. Bon, 6. 6. C'est la bonne réponse. Et donc, le jeu repart comme si c'était rien passé. Équipe jaune, c'est à vous. Du coup, moi, je pense qu'on prend Nels. Andy, les cases qu'on a qui sont prises, on peut les réessayer ou pas? Non. Bah non, bah j'ai pas de question. Ah non, évidemment, non. Bah, alors les jaunes, mettez-vous d'accord. Bah là, ça te dit on prend Nems. Là, et après c'est Lina, avec on prend lui. Attends, c'est qui elle? C'est October. T'es sûr? Ouais. Bah ok, bah on prend Lesh. Mais les gars, faudrait prendre Lesh. Lesh? Ouais. Ok, c'est la question sur Lesh, la voici. Déjà, on va arrêter de péter de ce côté parce que voilà. ce bruit était étrange. Il a une chaîne YouTube lui. Voici la question. Mais qui a fait ça? Combien de vidéos de Lèche tes oreilles sont encore en public aujourd'hui? Je crois qu'il y en a plus aucune quasiment. Je crois qu'il y en a plus. Mais même zéro. Les gars, il me semble que c'était zéro. Bah ouais, zéro. Il m'a dit l'autre jour, je les ai tous. Dans nos répertoriés, il n'y en a plus aucune. Hein. Est-ce que vous validez? Non, aucune. Je valide aucune. Je suis sûr, je pense que c'est aucune. Bah pour moi, il les a tous mis en répertorié. Les ouais, a rien. Je dis bien, c'est zéro. Je valide, sûr et certain. Il me l'a dit l'autre jour. Il n'y en a plus aucune. C'est la bonne réponse. Il y a les Miselda et tout, mais il les a dit. Non, c'est... Merde. C'est... Oui, ça c'était ta tête. Excuse-moi. Mettez-vous d'accord donc. Fridiel. Alors. Fridiel. Mais... Bah oui, Fridiel, mais genre pas. Allez, Fridiel. Ouais. Frigiel, alors voici la question sur Frigiel. Question difficile, attention. Sur quelle série, enfin sur quel sujet portait sa première série sur Minecraft? Oh, c'est trop facile. Sa première série? Sa première série? Oui. Ouais, c'était pas Frigiel et Fluffy, sa première série? Non. Non, ça c'est maintenant, ça. Non. Je sais pas, ça peut être du PVP, ça peut être. Attends, ça peut être découverte de mode, ça peut être de la déco, ça peut être plein de choses, ça peut être de. Plein de choses. Ah, C'était vieux. Non, c'est pas la 7ème dimension, non, sûrement pas. Attendez, il touche. Mais c'était un truc. Oh, mais je sais, putain. C'est les. Ah, non, pas si ça. Bon, allez, il me faut une réponse. J'ai entendu. 5, 4, 3. Putain, non, je sais, c'est quoi. 5, 4. Ah non, vas-y, le game. 2. C'était pas une main. Il me faut une réponse. Ouais, pour lui. Il faut chercher son YouTube. Bon, allez, on dit pas Final Kingdom, juste. Non, c'est pas Final Kingdom. Vu qu'il est sûr de lui.
Alors c'est pas ça du tout, c'était une série de décorations. Mais oui, de déco. C'était le déco. Avec genre. T'as dit déco. Ça, ça première série. Du coup, la case est jaune. Ouais, en fait, plus personne peut faire maintenant. Les jaunes, mettez-vous d'accord. Bon, le but c'est de faire le plus de cases à la fin. Pour la dame en céleste là. Non, attends, non, moi je pense qu'il faudrait faire un truc. Il faudrait qu'on prenne genre soit un des trois de la ligne d'en haut, comme ça, eux ils peuvent faire de lignes. Mais non, mais non, mais attends, mais regarde, écoute, regarde, tu vois, les trois d'en haut, il faudrait au moins qu'on en ait un, comme ça, eux ils peuvent plus jamais faire de lignes. Il faudrait prendre sa main, je pense. Je crois que c'est sa main. Aurélia Saba. Ah, ouais. C'est quoi l'événement? Bah, si tu veux. Moi je suis d'accord avec toi. Parce que le truc, regarde, on prend le deuxième, c'est bon. On prend le troisième, c'est bon. Allez. Mais avec le premier. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. On la dame. C'est bon, Aurélia Sama. Non, Aurélia Sama. Qui Aurélia Sama? Le deuxième, celui en bleu. Vous êtes tous les trois d'accord? Ouais. Ah non, il n'a aucun sens. Mais non, mais Lulu, mais si, comme ça, eux ils peuvent plus faire de ligne, ils sont bloqués. Bah oui. Ouais, ouais, ils peuvent. Mais oui, et si on se foire, ils avancent bien. Non, non, je suis pas d'accord, faut prendre la dame en. Mais si, Lulu, si on se foire là, le truc c'est qu'on peut pas faire la ligne. Mais oui. Vous pouvez en faire une autre. Enfin bref. Donc vous acceptez Aurélien Sama, c'est ça? Non, oui, donc du coup ça fait 8. Ok. Alors voici la question, de quelle nationalité est-il? Belge. Oh, ah, mais il y a des questions faciles, des questions compliquées. Il est belge, bonne réponse. Voilà. Eux ils sont bloqués comme ça. Les rouges. Voilà, on n'a pas fait de ligne. Attends. Quelle case prenez-vous? Attends, vous pouvez la pour faire une. Et c'est la celle de milieu. On peut pas. Bah, il nous reste celle-là aussi. Non, je sais pas c'est qui lui. Là, le quatrième, sur la, juste à droite d'Andy, je sais pas c'est qui. Non plus. Au pire, on prend Stefano. Bah non, moi je serais d'avis de faire jouer sur la défensive et de leur bloquer des trucs et de dire prendre October. Rien. Bah ouais. Non, voilà, c'est leur bloc de ligne. October, c'est leur bloc de ligne. Comme ça, c'est leur bloc. Ouais, et puis en haut, je doute qu'ils trouvent celui d'en haut. Ouais, c'est relativement compliqué. Et comme ça, plus personne peut faire une ligne. Bon, allez, bon, on prend October du coup. Voilà. Alors ça tombe bien parce que la question était justement qui est cette personne. C'est October. October 21, c'est ça. Bah, bah, voilà. Mais pour m'écoute pas, bon voilà, j'ai enlevé la réponse et voilà, on aurait pu continuer à l'une, bah non, bah pas écouté. De toute façon là on gagne Ulu. Là on gagne. Les jaunes à vous de jouer. On prend Ulu. De toute façon il n'y a plus de ligne. Prends-moi ou Ulu. Mais si Ulu. Tais-toi. Là, c'est une mauvaise technique, je savais d'avance qu'ils allaient penser. Vous prenez Lulu. De toute façon, Adrien, ils vont pas trouver la réponse. Bon, question sur Lulu, à moins qu'il y ait une grosse connerie, vous êtes censé connaître la réponse. Combien de saisons de Fort Boyard Challenge a-t-il diffusé sur sa chaîne? En comptant celle qui est en cours, évidemment. Alors, la grosse blague, je sais même plus. Putain, c'est... La grosse blague, j'adore. Moi je te laisse dire. Il y en a 12. Vous validez tous les trois? Bah oui. Bah oui, je valide. Hein. C'est Lulu, c'est sa chaîne. Oui, bon, en même temps, voilà. Si ça il sait pas, c'est que voilà. Ça fait 12. Bonne réponse. Équipe rouge, c'est à vous. Bon, est-ce on est là. On peut prendre Agent, on peut prendre Nems. On peut prendre Sifano. Agent. Si tu connais bien, ouais, mais je connais bien, c'est bien Argent, donc vas-y. Argent, alors. Agent GB. Argent. Question, quel est le point commun entre moi et Agent GB? Quoi? Vous avez la même intro de vocal. Super simple. Non. Trop tard. Bon, voilà, c'est bon, il a dit la question. Comment ça, votre point commun? Trop simple. Non, attends. Mettez-vous d'accord pour une réponse. Vous faites tous les jeux de série. Waouh. Bah, à part le fait que vous êtes tous les deux sur Minecraft. Vous avez tous les deux un serveur. 5. Mais c'est trop vague comme question. 3, 2, bah non, attends, non. Il me faut une réponse définitive. Question, vous avez la taille de bite.
C'est possible. J'en ai aucune. Et là, elle dit, et là la réponse dans... Oui, c'est possible, je suis au-dessus de la moyenne. La réponse était qu'on a tous les deux présenté une émission qui s'appelait Touche pas à mon cube. Voilà. Le point est pour les jaunes. Tu te fous de ma gueule. Ah bah c'est ça le point commun, écoute. Les, oui, les jaunes, oh, c'est à vous. On prend Red Tiger. Ah, comme ça on leur bloque la ligne. Ok, Red Tiger. You Red. Il est là, Red Tiger. Et bah justement, ah bah vois, justement, c'était la question, qui est Red Tiger? Enfin, qui est cette personne? Bah, Red Tiger. Voilà, donc t'as de toute façon, vous l'aviez la réponse, donc c'est bon. Et on peut encore se Montpellier. Les rouges. Bon. Les rouges, c'est à vous. Euromousse. On prend Nem. Bah, vas-y, moi je connais pas, vas-y. Mettez-vous d'accord, vous prenez le Nems. Bah, ça, c'est Nems. En haut, c'est Nems. Oui, c'est Nems. Bah, on prenait alors. Bah, en soi, n'importe lequel des deux. On croit pas Tiffano. Regarde ici, il peut faire une ligne. Mais il peut faire une ligne ici aussi. Mais non, c'est bon, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Moi, je serais d'avis, bloquer cette ligne avant, parce que sur cette ligne, il y a moins de chances qu'ils connaissent. Donc, bah, si, elle est simple aussi, cette ligne-là. Sifano, validez tous les trois. Parce qu'Adrien, il est moche, alors. Ok, la question de Sifano, a-t-il passé les 2 millions d'abonnés? Non. 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 Évidemment que non. Eh ben, si aujourd'hui. Non, je rigole. Il aurait fait une vidéo. Alors oui, alors on tourne l'émission lundi soir. Il est à 1 950 000. Ça veut dire que c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est pas ça. Non, mais il n'y a pas de vidéo de millions d'abonnés sur sa chaîne, donc. Donc, c'est une bonne. Non, j'en ai pas vu. Les jaunes, c'est à vous. C'est qui en haut? Celui en blanc. Celui en blanc, c'est Nems. Et au milieu? Il a. Et au milieu, c'est Ika. Ika? Ouais. Eh les gars, on prend la souris pour le troll. le troll. Bah, en fait, la souris. Je m'en peux laisser, mais. Non, je sais qui c'est, la souris. Hein. Je peux vous dire, mais déjà d'avance. Je suis pas sûr. On prend la souris, faites-moi ma confiance, je pense savoir qui c'est. Je pense qu'il y a deux questions possibles. On va voir ce qu'il va poser comme question. Bah, ouais, mais moi, Nems, je connais. Je regarde beaucoup de ses lives, Nems. Bon, mettez-vous d'accord. Démerdez-vous. Ouais, je me mets pas dans ça. Vas-y, comme tu veux. Vas-y. Ok, alors. La question n'est pas de savoir qui c'était, c'est Fluffy. Oui, je sais. Bah, la question, c'est. Il a le record de Fort Boyard Minecraft. Mais. Avec donc Lulu, et je crois que c'était Glesh ou Red. La question, c'est. À quelle émission a-t-il eu ce record? Fort Boyard Minecraft. Bim. Oui, non mais la réponse est dans la question. ce serait trop facile, mec. Je te demande laquelle de 4 saisons. Oh non, c'est pas bien. Quel voilà. Et bah tiens, avant qu'il serve sur YouTube. Bon, je peux pas me concentrer si on te parle. Alors, soit c'était... Donc, moi je pense que c'était une émission hors série. Ou alors c'était l'émission 3. Mais c'était forcément... Ça peut être la hors série ou pas? Ça peut. J'ai dit entre les deux. Ça peut, c'est une émission de Fort Boyard Minecraft, ça peut être. Ok, c'est Crash. Genre, je sais pas où il est. Des merdes. Quoi. Allez, il me faut une réponse. Et voilà, on aura du problème. Voilà. 5. Attendez, 2 secondes. 4. 3. 2. 1. Il me faut une réponse. Je valide la mission 3. La mission 3, c'est la bonne réponse. Vous avez quasiment fait un encadrement. Mettez-vous d'accord sur une tête. Nems. Bon, on prend Nems en mode suicide. M&M's. Bon, allez, Nems. Vous validez cette tête? Ouais, NMM. Oui. Alors, c'est là que je vais donc répéter une deuxième fois ce que j'ai dit tout à l'heure. Le pire. Donner le moins d'informations possible. Parce que là, la question, c'était juste tout simplement, qui est cette personne? Et voilà. Je savais que c'était Nems. Je savais que c'était Nems, de toute façon. Donc vous dites que c'est... Non. Bah c'est Nems. Évidemment. Bonne réponse. Par contre, c'est étonnant parce que c'est évident que c'est Nems. Enfin,
Ah, pas forcément. Il y en a qui connaissent pas. Les jaunes, à vous. Bah, on prend Adrien. Il y a plus personne qui peut faire de trucs. Bah, on va prendre Adrien 86. Ça se jouera au point, du coup. Mister Adrien 86. Alors, Adrien. La question sur Adrien, normalement, il devrait savoir ce qu'il fait, hein, quand même. En plus, une question rigolote. Alors, on sait que Adrien est pas hyper bon, en général. Non. Ouais, en général. Encore plus en général. Donc sur laquelle de mes émissions a-t-il fait la meilleure performance? Coffre-fort. Bah, aucune. Mais si, coffre-fort. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah oui, coffre-fort était avec moi, je crois, non? Non, j'étais avec Lulu. Ah merde. Bah, c'était avec moi. Coffre-fort avec moi. Vous validez cette réponse tous les trois? Ouais. Sinon, tu gagnes toujours l'argent. Ok, bonne réponse. Allez, wow, on a fait un carré d'or. Il reste... On a fait un carré d'or, on a gagné. Il reste 4 questions. Les rouges. Ouais, j'avoue, on a gagné. Les rouges, c'est à vous. Concrètement, les mecs, il faut juste espérer qu'ils se trompent sur les deux questions et qu'on ait nos deux questions juste. Supposial que cette tête, ça va être une question de type qui appartient à cette tête. Je serais d'avis de prendre ça vu que je sais c'est qui. Est-ce que vous validez tous les trois? Bah, il me semble que je sais c'est qui. On peut pas entendre tout pour le tout. Ah oui, Hugo est d'accord aussi? Allez, oui. Ok. Alors la question c'est pas de savoir qui c'était, c'est Ika. Ah, dommage. La question c'est, est-ce qu'il était top dans Top Gun 5? Top Gun 5? Ah, j'ai vu Top Gun 5. Non, il n'est jamais top. Ika. C'est oui ou non, mettez-vous d'accord, c'est rapide. Oui ou non? 10 Attends. 9 Sur Top Gun 5, 8, il a été top ou pas? 7 Non 6, bah, 5, bah non, il était pas top sur Top 4, Gun 5, il était sur un autre. 3 Bah oui. Donc non, on te répond. 1 Il me faut... répond un non. Il me faut bah non, il était pas top. Validez, il était pas top. Vous validez tous les 3? Oui. J'ai validé, oui. Hugo. En gros, il était pas top. On valide qu'il était pas top. C'est la bonne réponse. Oh non. Yes. Les jaunes. Allez, alors, les jaunes, c'est à vous. Prends celui qui est le moins connu. Parce que celui des moins connus, la question, ça sera sûrement qui est-ce. Je connais les trois aussi. Bah. Donc, je pense que le moins connu, c'est lui quand même. C'est celui-là le plus bas. Ok, bon, on prend le pense... 600 bas. L'outil, je le connais mieux. Non, ou celui-là tout au-dessus, en fait. Ouais, je pense que c'est celui-là tout au-dessus. Bah non, mais on sait qui c'est lui, franchement. Sérieux, c'est qui c'est? Moi je connais aucun. Allez, si, moi je connais aucun. Je sais pas. Bah en tout cas, bah ouais, mais regarde, même s'il est connu, et puis allez, putain, il me faut un choix. Bon, allez, on prend tout en bas. On prend le premier là. Tout en bas, ok, tout en bas. Ah, ouais, allez, tout en bas. Ok, tout en bas. La question c'est pas de savoir qui c'est Bill Silverlight. Évidemment. Ouais, voilà. La question c'est un oui-non, encore une fois. D'accord, on a une chance sur deux lignes. Est-ce qu'il a participé à Fit the Patrick saison 5? Oui ou non? Oh non, j'ai... J'en sais rien, moi. Bah, je dirais oui, parce qu'il est toujours avec Aïe-Pierre. Ouais, je dirais oui aussi. Baya? J'en sais rien, moi je suis le groupe. Ok, vous validez tous les trois donc. Il me faut une réponse. Ouais, oui. Vous validez? Oui. Ok, bonne réponse. Non. Yes. Ouais. Allez, plus, on a gagné. Plus que deux questions, les rouges, mettez-vous d'accord, une chance sur vous. Vous avez que deux possibilités. Bah, bon, allez, on prend Harry. Harry, vous validez. Ok. Ouais, allez, rien à foutre. Ok, alors Harry, question difficile, tiens. Toujours pour nous, hein. Bah vas-y, dis. Quelle est sa première série qu'il a fait connaître? Oh, t'es sérieux? Le seul indice, c'est ancienne version. C'était pas une série en mode où il faisait Minecraft Alpha, Minecraft Beta. C'est ça, mais il faut trouver le nom. Un truc du genre. Faut pas se creuser la tête. J'en ai aucune idée. 5. Au pire. Ouais, bah oui, MC Alpha. 2. Oh, attends. Ou un truc. Et vous me dites. Vas-y, on a quand même rien à gagner, MC Alpha. Ouais, allez. C'était Retro Minecraft. Mais c'est sûrement pas ça. Voilà. Oh yes. Bon bah du coup, on prend Aznet, hein. On prend Andy.
Alors, Azulette, la question, la dernière question est très simple. Elle est pas facile celle-là non plus. De quel mois date sa dernière vidéo? Je crois que c'était lors du Top Gun, donc je sais pas. Ou décembre, bah c'est un youtubeur, donc on a dit, ça doit être décembre ou novembre. Bah ouais, mais tu sais, t'as beaucoup de youtubeurs qui. Ouais, mais. Aznet en fait partie. Hein. Ah ouais, par contre, il y a ce qu'il vient de dire. Vidéo. Bah. Mais non, mais quand même, aussi, il doit pas être trop inactif, quoi. Alors, à mon avis, c'est le dernier du dernier. Remets la tête de Céleste, s'il te plaît, Hugo. Non, mais Aznet, il est quand même. On ne pique pas la tête de Céleste. Bon, mais non, il y a pas. Ah non, ça doit être genre, allez, genre en août, un truc comme ça, un truc du jour. Sinon, il poserait pas la question. Non, mais je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier Top Gun. Non, lors du dernier KTP. Il était quand le dernier KTP? C'était à 5 mois. 4. Ouais, juillet. Bah, il y a 6 mois, au mois de juin. Hein, mettez-vous d'accord. Juillet, août. C'est juillet. Oui. Merci de parler du KTP, c'est magique. Et bah, fin de la partie. Les joueurs ont gagné avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points contre 11. Oui. Attends, non, pas 11. 9. Contre 9 points pour les rouges. Félicitations. GG. Je vous applaudis. On tire mon masque. Merci à tous pour votre participation et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut.